Bonjour à tous. Pour commencer notre moment d'adoration, je vous demande de vous lever. Nous allons chanter le cantique 56, qui est l'ami fidèle et tendre. Tête pour la prière. Merci Père éternel, merci pour ton grand amour. C'est ton amour qui nous presse pour nous réunir, pour nous exprimer notre gratitude pour ta création, pour ta protection, pour tous les bienfaits que tu ne cesses de faire envers nous. Nous sommes ici aussi réunis pour, en tant que frères et sœurs, pour fraterniser, pour échanger dans la joie et le bonheur. Bien que les situations actuelles nous font que nous ne sommes pas tous ensemble physiquement, mais nous sommes tous réunis en esprit pour te rendre gloire et pour avancer au jour le jour avec toi. Bénis-nous et sois avec nous durant ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons continuer par la lecture biblique qui est dans le livre de Genèse, au chapitre 37, versets 13 à 17. Genèse 37, versets 13 à 17. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas paix? Ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici.
car je les ai entendus dire « Allons à Dothan ». Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Avant d'écouter Marie-Jo, tu nous présentes la prédication, nous allons encore chanter le cantique 369, tous unis dans l'esprit. Bonjour, ça fait plaisir de revoir certains visages qu'il y a bien longtemps que je n'avais plus vus. Et que Dieu soit loué pour la joie de nos retrouvailles. Vous aurez sans doute remarqué que la lecture que nous avons faite ce matin, c'est la même que celle de la dernière prédication que j'ai eu la joie de faire avec vous. C'est que cette semaine encore, nous allons aborder un thème, celui de la fraternité. La fraternité, c'est l'existence de frères. Ce sont des fratries, des frères et sœurs. Et nous nous souvenons que dans la Genèse, le livre des commencements, de la mise en route de l'humanité, il y avait pas mal de fratries. Nous avions vu Caïn et Abel la fois passée. Tout n'était pas rose, très loin de là. Mais Isaac et Ismaël, ce n'est pas mieux. Léa et Rachel, voilà encore un tissu de jalousie, de tristesse. Jacob et Ésaü, la fuite. Dina et ses frères, ça se finit dans le sang. Joseph et ses frères, c'était pas évident. Nous nous étions arrêtés au personnage de Caïn. Caïn, on va se rappeler très vite un petit peu tout ce dont on avait parlé à propos de lui. C'était le fils d'Adam. Adam, terme générique, fils d'un humain. C'était le préféré de sa maman. Vous vous souvenez? Elle compensait peut-être ainsi une certaine frustration conjugale. Les textes ne sont pas explicites, mais peuvent nous laisser penser à beaucoup de choses. Il a un frère. Il n'est pas frère, mais il a un frère. Oui. Vous vous souvenez, il ne se sentait pas du tout frère. La finale disait même « Abel, connais pas, je veux pas savoir, inconnu au bataillon. » Ok. Ce frère, vous souvenez, lors de la naissance, sa maman avait dit « Elle ajouta encore pour naître. » C'est un petit ajout qui n'a pas beaucoup d'importance dans la vie des personnages, semble-t-il. C'est une buée, une vapeur qui va très vite partir. Il était berger, mais fut victime de la jalousie de son frère qui s'est tue. N'a jamais prononcé une parole, ils ne se sont pas parlé l'un l'autre. Et l'histoire a débouché sur la mort. C'était là le début de la Genèse, 16 petits versets. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre personnage. D'un autre personnage qui est aussi un préféré de papa cette fois-ci, qui est aussi un ajouté,
qui est aussi berger, qui éprouve aussi victime de jalousie, qui vit aussi une situation de mutisme. On se tait et lui se tait aussi. Cette fois-ci, ce ne sera pas l'épisode de la rencontre avec un frère, mais avec 10 frères. C'est à la fin de la Genèse, et ça ne couvre non plus 16 versets, mais 14 chapitres. Dernier indice, fils d'Israël, avez-vous trouvé? Oui, j'entends, c'est bien de Joseph dont nous allons parler aujourd'hui, s'il veut bien apparaître. Voilà. Alors nous allons un petit peu voir plus en détail tous ces éléments parce que je les ai énoncés, mais peut-être n'ai-je pas expliqué. Et peut-être certains détails, pour vous, ça paraît un peu non, j'ai jamais vu ça pour Joseph. Alors voyons ensemble. Joseph est fils d'Israël. Alors déjà Israël, ça évoque une nation pour nous plutôt qu'un nom. Ben, le nom c'est Jacob. Jacob, qui est Jacob? Un usurpateur? Un roublard? Un tricheur? Oui, ça c'est le côté un petit peu moins beau, parce que la Bible est réaliste, on n'essaye pas de faire des épopées de héros comme dans l'Antiquité. Mais côté positif, qui nous le rend très sympathique, c'est le premier, comment vais-je dire ça, à avoir choisi son épouse lui-même. C'est le premier à être tombé amoureux. Avouez que ça le rend sympathique. Deuxième épisode pour Jacob. Oui, Jacob, sa généalogie au chapitre 37. On commence, comme d'habitude, généalogie de Jacob. Voilà. Et qu'est-ce que vous lisez d'habitude après ce verset-là? Eh bien, Jacob engendra, et puis on part de tous ses fils, le premier-né, deuxième-né, troisième-né. Et qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là? Généalogie de Jacob, 2 points. Joseph. Il est loin d'être le premier-né. Il faudra qu'on explique ça. Pourquoi est-ce que Jacob s'est senti comme ça, père spirituel de Joseph plutôt que des autres? Ok, ça c'est pour premier point, Joseph, fils d'Israël. Alors, Jacob a eu plusieurs enfants. Je viens de dire Joseph n'est pas le premier-né. Il est temps qu'on se rappelle un petit peu toute cette saga familiale. Jacob a épousé Rachel, certes, mais victime de ruse comme lui-même était rusé, eh bien son beau-père s'est arrangé pour qu'il épouse d'abord Léa. Léa à l'extrême gauche, Rachel en dernier lieu à l'extrême droite. Léa a une servante Zilpa, Rachel a une servante Bila. Et viennent d'abord des enfants de Léa. Ruben premier-né, je devrais quand même dire qu'en tant que premier-né, il ne va pas être très exemplaire. Il va être très vite déchu de cette primogénitalité parce que, bon, bah, il va, disons-le crûment, coucher avec une de ses mères ou belles-mères. Rage de Jacob qui n'oubliera pas et Ruben ne sera jamais considéré comme le premier-né. Deuxième, Siméon. Siméon et Lévi, encore des épisodes pas très glorieux, parce que particulièrement humains, de sang, de colère, de jalousie. Siméon et Lévi, ce sont ceux qui vont aller massacrer l'époux et toute la tribu de l'époux de leur sœur Dina et toute la tribu, les Sichémites. Donc encore deux qui vont être exclus tout à fait de la lignée et de la descendance importante, spirituelle de Jacob. Le troisième, ce sera Judas. On en reparlera un petit peu plus tard et il aura un grand rôle à jouer dans notre épisode ici. Et puis, viennent d'autres enfants, des concubines, parce qu'à l'époque, c'était tout à fait permis. Et donc, voilà d'autres enfants, de la servante de Rachel d'abord, puis de la servante de Léa. Et puis, enfin, deux enfants nés de Rachel. Rachel qui en mourra de la naissance du deuxième, Benjamin, et qui avait eu un premier-né, Joseph. C'est celui qui va donc nous occuper aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que Joseph, c'est le préféré de son papa. Préféré parce que le fils est né de l'épouse bien-aimée, de l'épouse qu'il avait choisie. On peut le comprendre, ça a une certaine logique. Mais malheureusement, cette logique est teintée de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, ou qu'on peut comprendre mais qu'on ne peut pas accepter.
parce qu'il est préféré. Et préféré, ça s'est traduit par ce texte de la Genèse où on voit que Jacob avait fait faire pour Joseph une tunique multicolore. Alors ce terme est assez rare dans la Bible, on ne l'a pas vu très souvent, on verra d'ailleurs qu'une seule autre fois. Les traducteurs grecs de la Septante ont traduit ça par une tunique bariolée, de toutes les couleurs, comme on en faisait en Égypte, pas en Israël, où on emploie de la laine vierge, non teintée. Alors c'est une tunique qui coûte cher, c'est une tunique qui a été qualifiée aussi de vêtement d'apparat. Pourquoi ? Parce que c'est une tunique à manches longues et qui va jusqu'aux genoux. C'est pas très adapté pour travailler. On donne ce vêtement-là, on pourrait le lire dans 2 Samuel, aux fils, aux filles du roi. Donc voilà que Jacob accorde à son fils un vêtement royal. Une telle préférence, avouée, ne peut que susciter une certaine jalousie. Continuons dans les caractéristiques de notre Joseph. Il avait 10 frères. Ah oui, ils sont 12. Vous me direz donc qu'il a 11 frères. Oui, mais le petit dernier-né, son vrai frère à lui, Benjamin, il reste souvent auprès de papa. Donc en fait, Joseph va se trouver confronté aux 10 grands frères, demi-frères. Mais vous voyez que c'est un épisode qui peut susciter déjà aussi en soi de la jalousie. C'est assez connu que le dernier-né éprouve, subit la jalousie de l'aîné qui perd sa première place. Voilà les 10 grands frères. Dernière remarque à propos de 10, c'est la plus petite lettre en hébreu, yod. C'est pas un iota, rien. C'est rien et c'est tout. Parce qu'il faut être 10 dans la mentalité juive pour pouvoir se rassembler, pour pouvoir prier, pour avoir une vie communautaire spirituelle. Alors heureusement, nous sommes plus que 10, nous, ce matin, on peut y aller. Mais donc voilà tout ce que ça peut connoter, un groupe, la bande des 10, qui va se trouver en opposition au 11e. Autre caractéristique qu'on a vue et qui ressemblait aussi à une de Caïn, ajoutée. Pourquoi est-ce que Joseph est-il ajouté ? Vous me direz parce qu'il y en a eu encore 10 avant lui. Oui, mais parce que, regardez, le texte même nous le dit, elle l'appela sa maman, d'ailleurs il est appelé par sa maman et pas par son papa, c'est assez typique dans la Bible, elle l'appela du nom de Joseph. Et le texte même dans la Bible va vous rajouter, qu'est-ce que ça veut dire Joseph ? Ça veut dire ajouté. Donc en voilà encore un, ajouté, comme Abel était ajouté. Autre caractéristique qui nous le rapproche d'Abel, il est berger. Nous avons un texte, est-ce que je l'ai mis ? Oui. Joseph faisait paître le petit bétail avec ses frères. Alors le « avec » entre parenthèses, parce que vous avez là un petit mot hébreu qu'on avait déjà trouvé du temps de Caïn. Elle enfanta Caïn avec le Seigneur. Et on avait dit que ce petit mot-là, peut-être qu'il voulait dire « avec », mais il voulait peut-être ne rien dire et introduire un complément d'objet direct. Elle ajouta Abel, qu'elle enfanta, Abel, Seigneur, l'enfant roi. Et ici, Joseph fait paître le petit bétail avec ses frères, ou le petit bétail, ses frères. Il fait paître ses frères. Il est le berger de ses frères. C'est peut-être ça que Joseph voyait déjà en faisant de son fils, que Jacob, pardon, voyait déjà en faisant de son fils Joseph un roi. Il y a quelque chose en lui différent qui fait qu'il pourrait peut-être bien être le berger de ses frères. D'ailleurs, dans le texte qui est là, on va voir qu'il fait paître le petit bétail avec les enfants des deux servantes, des deux concubines. Il semble qu'il y ait comme un clan, le clan des enfants de Léa, et puis le clan des enfants autres, que ces enfants de Léa rejettent. La bande des 10 fait déjà preuve de certaines tensions, frictions. On va encore continuer dans les rapprochements entre Abel qu'on avait vu et maintenant Joseph. Petit, peut-être que je mets mes doigts. La jalousie, oh, bien sûr, Caïn. Une des racines jalousie, ici c'est clair que nous avons la jalousie des 10 frères. Elle peut s'expliquer, mais quand même, il faudrait quand même qu'on la tempère, qu'on apprenne à dominer cette bête qui est en nous. C'est encore des termes de Caïn, tout ça.
Ok. Jalousie des frères, auxquels le petit frère doit faire face. Et c'est jamais facile pour un petit frère de trouver sa place. Il est bouillant et cette jalousie et son caractère bouillant vont peut-être se faire augmenter l'un l'autre. On est jaloux parce que, d'abord parce que le texte dit que Joseph est un petit rapporteur, petit mouchard. Vous vous souvenez de ce texte ? Joseph rapportait à leur père les mauvais propos de ses frères. Alors, à vous de voir quelles lunettes vous voulez mettre. Les lunettes du celui qui juge Joseph comme le méchant petit frère, qui est un vilain rapporteur. Ben, il n'a peut-être que ça comme arme à l'égard de ses grands frères. Ou des lunettes très bienveillantes de dire, mais ce Joseph, il avait déjà une vision spirituelle et les mauvais propos de ses frères, c'est peut-être la droiture de Joseph qui le fait réagir. Il fait dire non, ça ce n'est pas possible, il faut en parler au chef de famille. Voilà le premier côté, mais qui suscite la jalousie. Deuxième source de jalousie, le fait qu'il soit le chouchou. Nous l'avons vu, mais ce texte va revenir des tas de fois. Genèse 37, verset 3, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils ». Le verset suivant, leur père l'aimait plus que eux tous. C'est pas la faute de Joseph tout ça, mais ça l'arrange peut-être bien un petit peu. Et encore verset 37, chapitre 37, verset 4, ses frères se mirent à le détester, ils ne pouvaient lui parler sans hostilité, ne pouvaient lui parler en paix. Ce mot shalom qu'on va retrouver dans un petit moment. Climat bien tendu tout cela. Il y a un troisième motif de jalousie. Joseph est un rêveur. Joseph n'a peut-être pas tout à fait les deux pieds sur terre. Il est très créatif et il rêve. Il rêve beaucoup, peut-être parce qu'il vit des choses très intenses. Mais ses frères n'apprécient pas ce genre de rêve. Le genre de rêve où toutes les gerbes doivent se courber, se prosterner devant la gerbe de Joseph. Où toutes les étoiles viennent aussi se prosterner devant l'étoile de Joseph. Et c'est eux qui vont interpréter en disant « Non, mais enfin quand même, c'est pas, oh, ça va pas, non ? On va pas devoir quand même se courber devant toi, qui est le tout petit, l'avant-dernier, là ?» Le père, lui non plus, n'apprécie pas tellement que Joseph en ait parlé de ses rêves, mais on dit, le texte dit que le père garde le souvenir de tout ça. Il se dit « Tiens, il y a quand même des choses... Des choses, est-ce que Joseph n'aurait pas un destin un peu spécial ? » J'ajoute encore, toujours au chapitre 37, le verset 8, après que Joseph raconte ses rêves, « Ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. » C'est plus de la jalousie, ça devient de la haine. Là, le terrain devient un terrain miné. J'ajoute dans nos parallèles encore, 14 chapitres pour l'histoire de Joseph. On n'en avait que 16 versets pour l'histoire de Caïn. C'est toute la fin de la Genèse, du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Voilà donc comme en miroir deux histoires qui vont se compléter, se développer l'une l'autre. On avait encore noté le mutisme du côté de Caïn et Abel qui ne se sont jamais parlé. Ici, on va voir en effet que Joseph a l'air d'être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. En tout cas, il a parlé de ses rêves, c'est quasi tout. Et puis, dernière chose, l'aboutissement. Enfin, Caïn, c'était la mort. Joseph, ce sera la vie. Voilà le tableau brossé des deux. Avouez qu'il y a une situation de crise, que l'histoire de Caïn n'est pas loin. Si l'on regarde tous ces parallélismes, on va pouvoir se dire qu'il y a des choses que le narrateur biblique a voulu nous transmettre à travers tout ça. Les personnages sont campés, le rideau peut s'ouvrir, la tragédie va commencer. Genèse 37, c'est le premier de nos 14 chapitres. Rassurez-vous, on ne va pas aborder les 14 chapitres en détail. Il est bien prévu qu'on parte à midi. Donc, 14 chapitres, mais dont le premier est vraiment celui auquel on ne peut pas laisser silence. On ne peut pas ne pas s'y arrêter. Situation de départ, verset 12. Les 10 s'en vont. Les frères de Joseph allèrent faire paître le petit bétail. Ouf, voilà un petit peu un moment de répit.
il n'y a plus d'attention puisque les 10 sont partis. Papa reste avec Jacob, avec Joseph, pardon. Papa Jacob reste avec Joseph et avec Benjamin. Ça fait du bien à tout le monde. Mais le père, qui n'est peut-être pas conscient ou pas tout à fait conscient, ou conscient mais avec une certaine idée, conscient de la tension, va dire tout à coup à Joseph « Ne sont-ce pas tes frères qui font paître ?» Dans le fond, ce n'est pas des frères, ces gens-là qui sont partis. Il faudrait peut-être qu'on pense au mot fraternité. « Eh bien, viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répond « Me voici ». C'est un mot fort, ça, « me voici ». On va le trouver avec Isaac quand son papa va le conduire vers le sommet de la montagne, « me voici ». On va le trouver avec Moïse, c'est toute une disponibilité. Oui, Joseph est prêt, il est prêt à partir tout guigré. Quel âge il a à propos? Vous vous souvenez? Ça vous dit quelque chose? 17 ans, oui. Alors, un clin d'œil à nos ados, 17 ans, il est en pleine forme, il a envie d'éclater. Et voilà, il a envie, peut-être que les choses changent dans cette famille. Il a envie parce que d'autant plus que le papa lui donne une mission. Il lui dit, va donc, va voir la paix de tes frères. Est-ce qu'ils sont en paix entre eux? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se cultive du côté de la paix en eux? Et même la paix du petit bétail. Jacob, il a été berger pendant des années. Il sait bien qu'un petit bétail dépend très fort de son berger et de l'état d'esprit des bergers. Va voir si ton bétail aussi, il est en paix. Et puis, fais-moi revenir une parole. Parle-moi d'eux. Ou peut-être parle avec eux et fais revenir cette parole-là. Puisque, comme dans l'épisode de Cain et Abel, jusque-là, on ne les a jamais vus se parler. Sauf peut-être pour éclater. Tu, on ne va pas quand même devoir se prosterner devant toi. Voilà. En tout cas, c'est parti. Joseph s'en va. Joseph s'en va, vous vous souvenez dans le texte, il va rencontrer un personnage. Non. Le personnage va le rencontrer. Il y aurait des tas de choses à dire, mais on n'a pas beaucoup le temps. Alors je vais passer. Il va chercher ses frères quand même. Il devra les chercher pendant 20 ans. Venons-en au drame. Les frères voient arriver Joseph de loin, peut-être grâce à cette fameuse tunique. Ils le voient et ils disent, ils complotent, c'est plus que dire. Ils se mettent d'accord pour le faire mourir. Et ils se disent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur, comme quoi les rêves là ont une portée qui est restée longtemps dans l'esprit des frères. Le maître rêveur arrive, et bien maintenant allons-y, tuons-le, jetons-le dans un trou, dans une fosse. Et puis nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Alors jalousie, haine, mensonge, voilà le melting pot de toutes les bonnes choses qui se vivent. Comme quoi la Bible vraiment ne nous ménage pas, nous montre les choses comme elles sont. Oui, ils sont tous d'accord pour éliminer le gêneur. Tous d'accord? Non, pas tous d'accord. Il y a Ruben, il y a l'aîné, qui quand même manifeste un état d'esprit d'aîné. Parce que lui, il n'est pas tout à fait d'accord. Parce qu'il se dit, si on tue mon petit frère, c'est quand même encore moi plus ou moins l'aîné, même si j'ai fait des bêtises, je vais essayer de rentrer en grâce de papa peut-être. Donc je vais faire en sorte qu'on va sauver mon petit frère. Il leur dit alors, ne répandez pas de sang, jetez-le dans ce trou, oui, mais pas plus, ne le tuez pas. C'est déjà gentil de sa part, même si c'était quand même condamner le frère à une mort lente. Mais non, pas si lente. Il avait dans l'idée qu'il allait revenir le chercher et le ramener à papa. Ah, il allait trouver du prestige auprès de son papa. Sauf qu'il allait quand même devoir expliquer comment ça s'était passé, que la situation n'aurait pas changé dans la haine, donc c'est peut-être pas la solution idéale. La preuve, ça ne va pas se passer comme ça. Suite. Et lorsque Joseph vint vers eux, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique d'apparat qui était sur lui, on insiste. Et ils le prirent et le jetèrent dans le trou. Le trou était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Pourquoi dire deux fois que le trou était vide, qu'il n'y avait pas d'eau dedans? Peut-être pour sous-entendre qu'il pouvait y avoir d'autres choses que de l'eau, des serpents, des scorpions, pas des bonnes choses. En tout cas, le voilà dans le trou.
Il n'a pas dit un mot, d'après ce texte-ci. En tout cas, à ce moment-ci, il n'est pas nécessaire de nous le dire. Voilà Joseph sauvé, voilà Joseph retombé dans le fond du trou, et les frères, voilà la suite un peu choquante, hein, ils s'installèrent pour prendre le repas. Allons-y, pique-niquons, sans problème. Certains commentateurs vont dire, ils ont bonne conscience. Ils ont bonne conscience parce qu'ils ont rendu justice. Le petit dernier, pour qui est-ce qu'il se prenait? Mais il menaçait toute la famille comme ça, à rêver des choses bizarres, à avoir une place privilégiée. C'est pas normal, ça. Alors éliminons le problème, justice est faite, on peut manger ensemble. Ouh. Même si on sait par la suite du texte que Joseph a supplié ses frères, le fait qu'il n'ait rien dit ici, ça nous met quand même un petit peu... Moi, ça me fait penser au texte d'Ésaïe. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Peut-être que le narrateur avait ce texte à l'idée en ne reprenant aucune des paroles de Joseph ici. Encore un petit mot, le vêtement. Ça prend beaucoup de place dans l'histoire, le vêtement. Il a une belle tunique. Le vêtement pour papa Jacob, ben, c'est ce qui lui avait permis de ruser avec son père à lui et de prendre la place de son frère en mettant des habits de peau. Le vêtement, c'est beaucoup de choses dans la Bible. C'est le vêtement dont on a revêtu Adam et Ève. Le vêtement, c'est tout le statut social de la personne qui le revêt. C'est une insistance ici. On l'a dépouillé, on l'a enlevé, on l'a arraché. Il est mis à nu. Et dans le trou, vous trouvez le texte, la citerne, le puits, la fosse, l'endroit où on meurt, l'endroit où c'est fini. Ok. Mais il va y avoir un imprévu quand même. Vous connaissez l'histoire et le texte nous met quand même ça avec un certain suspense. L'imprévu, c'est celui-ci. Tout à coup, il lève les yeux et il vire. Tiens, voici passant une caravane d'Ismaélites avec leurs chameaux. Et il y a tout un détail sur tout ce qu'ils transportent. Ça peut servir. Ça peut servir parce que Judas, le suivant dans les frères, Judas qui ne sait pas que Ruben veut venir chercher son frère dans le trou. Judas, lui aussi, il a envie d'aider ce petit frère. Et Judas va dire, non, qu'est-ce qu'on va gagner à le tuer, à le laisser mourir comme ça de mort lente? Non. Allons, on va le vendre aux marchands qui passent. Mais ne mettons pas du sang sur nos mains, c'est quand même encore notre frère. Alors on va éliminer le problème en l'emmenant très loin, mais il restera quand même un frère pour nous. Ok, il essaye de le sauver, mais avouons quand même que dans sa manière de parler, on est un petit peu gêné. Hein? Quel profit? Vendons? Oui, une drôle de manière de construire la fraternité. Dernier épisode dans cette scène dramatique, c'est qu'ils vont devoir aller retrouver le papa. Même si on s'est fait précéder par la tunique pour que déjà le papa il se rende compte qu'il y a un problème, il faudra un moment qu'on y aille aussi. Et voilà Jacob qui va réagir. Jacob refuse toute consolation. Il disait « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Ainsi, son père le pleura. Le pleura et le pleura longtemps. Au point qu'on pense qu'il n'a jamais su faire le deuil de son fils. D'ailleurs, entre nous, est-ce qu'on fait le deuil d'un disparu? Parce que Joseph est disparu. On n'a jamais vu son corps. J'ai une collègue dont le fils a disparu. Elle n'en parle pas souvent, c'est un sujet très tabou, mais c'est quelque chose de très lourd à porter. On ne sait pas faire le deuil d'un disparu. Et Jacob ne sait pas faire le deuil de Joseph. Voilà, la scène est jouée. Avouez qu'entre Caïn et Abel, Joseph et ses frères, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Une mort propre, en le mettant dans un trou, en le vendant, la fraternité n'a pas beaucoup progressé. Alors à quoi ça sert de faire une deuxième prédication, me direz-vous? Bon, bah allez, quand même, on a vu qu'à la fin, les choses allaient changer. Alors, on va trouver la porte de sortie grâce à Joseph. Voyons donc maintenant l'essentiel. Comment Joseph va-t-il réagir?
Joseph est-il vraiment un Abel qui a disparu sans laisser de traces? Oh oui, Joseph, sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il part de situations bien élevées, le préféré de Jacob avec une tunique multicolore, le chef, le roi en esprit. Et puis paf, la chute. Le voilà nu au fond du trou. Et puis on l'en retire, mais comme esclave, ça ou mourir, je sais pas. Et puis de là, hop, il rebondit. Le voilà intendant en chef chez Potiphar. Situation privilégiée de nouveau. Jacob n'avait peut-être pas tort de voir en Joseph quelqu'un de très chouette dont il pouvait sortir des bonnes choses. Deuxième situation élevée donc chez Potiphar. Vous connaissez la suite. L'envie de la femme de Potiphar d'avoir des relations avec Joseph, il s'enfuit nu. Et il tombe dans le puits, le trou de la prison. De là, de nouveau, résilience, rebondissement, on le retrouvera intendant en chef de Pharaon maintenant. Avouez que pour connaître des hauts et des bas, il en a eu. Et pourtant, il y aurait de quoi être victime et se sentir victime, mais jamais, synonyme de force d'un chef, jamais il ne s'est plaint, jamais il ne se pose en victime. Voilà déjà une première situation qui nous fait comprendre pourquoi Joseph n'est pas rien dans l'histoire biblique. Premier élément, son cheminement personnel, des hauts, des bas, mais jamais victime, on se relève. Maintenant, le cheminement familial, comment va-t-il faire évoluer les choses pour arriver quand même à une fraternité, pour être le berger de ses frères? Retrouvons donc l'histoire, mais 20 ans après. Il a été dans le trou, il en est sorti, il a retombé, il en est ressorti. 20 ans après cette chute, il a 37 ans maintenant, et c'est un épisode de famine. La famine sur tout le pays, pas seulement le pays d'Égypte, le pays de Canaan aussi. Au point que, voilà Jacob qui s'adresse à ses fils. « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres, comme ça, comme si vous aviez quelque chose sur les épaules, sur un gros poids à porter ?» Moi, j'apprends qu'il y a du grain en Égypte. Alors, descendez-y. Encore des gens qui vont descendre, pas dans une fosse. On va voir. Descendez-y et achetez-nous-en là-bas du grain. Ainsi, nous resterons en vie, nous ne mourrons pas. Jacob, qui vivait dans son deuil, dans cette culture de la mort, de l'absence, voilà lui qui se ressaisit. Je veux que nous vivions, mes amis. Vivons, allons chercher du grain. Donc, les 10 reviennent en Égypte. Petit repère chronologique, Joseph a 37 ans. 20 ans se sont passés. Tiens, 20 ans, c'est aussi le moment entre le départ et le retour de Jacob. Jacob qui a retrouvé son frère Ésaü 20 ans après. 20 ans après, ici, Joseph va revoir ses frères. Mais les frères ne voient pas Joseph puisqu'ils ne le reconnaissent pas. Que se passe-t-il alors ? Premier épisode, première notion à retenir, aucune vengeance dans l'esprit de Joseph. Ce serait facile de dire, après tout ce qu'ils m'ont fait, ceux-là, ils vont un petit peu en voir maintenant. Ce n'est pas du tout cet état d'esprit-là qu'anime Joseph. Il pourrait se dire, et je crois que c'est un leitmotiv chez lui, souvenez la phrase qu'il avait dite au moment où la femme de Potiphar le convoitait. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu? Je crois que c'est un leitmotiv qui lui est resté parce qu'il ne va pas vouloir faire ça non plus à l'égard de ses frères. Mais il va quand même leur donner une occasion de revivre le passé et de se remettre à sa place. Nous l'avions vu pour l'histoire de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le berger de mon frère? Suis-je le berger d'Abel, berger? Eh bien, se mettre à la place de l'autre, c'est peut-être déjà une solution qui éviterait pas mal de violence, de jalousie, de haine. Alors, comment faire pour les faire comprendre et vivre cela? Première chose, allez, hop, au trou, vous aussi. Ah, il les fait mettre en prison 3 jours. 3 jours, c'est aussi quelque chose de très symbolique. Le temps de mourir, le temps de repenser. Vous vous souvenez ces textes dans, si je reprends dans le chapitre 42 de la Genèse, qu'est-ce qui se passe pour les frères au moment où Joseph les emprisonne? Je vais relire avec vous chapitre 42. Maintenant, vous voyez, on a bien avancé dans les chapitres. Verset 21.
jusqu'à 23. Tous se disaient l'un à l'autre, « Vraiment, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse maintenant vient sur nous. » Et Ruben leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, ne péchez pas contre cet enfant, ce jeune, ce fragile ? Mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. » Voilà que ça commence, continue. C'est exprimé, en tout cas, tout ce qui mijote en eux. Non, c'est pas évident ce qu'on a fait. C'est pas clair. Au trou, culpabilité qui rejaillit. Et puis, finalement, c'est pas tous au trou. On n'en garde que un. On va ne garder que Siméon. Siméon l'assassin. Siméon et Lévi qui ont été massacrés tout un village. Et puis, troisième élément qui va leur faire réfléchir, mais tiens, on a de l'argent, puisque Joseph a fait remettre l'argent dans leur sac avec le grain qu'ils vont ramener chez papa. De l'argent injuste, immérité, comme l'argent reçu quand Joseph fut vendu comme esclave. Et puis, quel ressouvenir encore pour eux, parce que maintenant ils vont se dire, il faudra qu'on retourne de nouveau chez papa, avec de nouveau un frère en moins. Oui, ça va être de nouveau une belle occasion de douleur pour Jacob. Je reprends toujours au chapitre 42, décidément j'aurais pu garder la page. Et maintenant les versets 36 à 38. Dans toutes ces histoires troubles de famille, voilà, Jacob est-il plus limpide que les autres ? Est-il plus bienveillant que les autres ? Chapitre 42, verset 36. Lorsqu'ils vidèrent, et donc ils ont vidé leur sac, et ils annoncent qu'ils ont un frère en moins, ils annoncent aussi qu'il faudrait, si on veut retourner, ramener le petit frère. Et voilà la réaction de Jacob. « À cause de vous, je vais perdre tous mes enfants. Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. Il est en prison. Et vous me prendriez Benjamin ? C'est sur moi que tout cela retombe. » Alors Ruben vient se porter garant un petit peu en disant ben, « Si on ne le ramène pas, tu peux avoir mes deux fils, tu peux les tuer même. » Comme si ça allait arranger des choses. Et continuons Jacob qui te dit à la fin « Non, verset 38, mon fils, comme s'il n'en avait qu'un, il y en a 12 quand même au départ, mon fils, le petit dernier, Benjamin, ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. » S'il lui arrivait un accident au cours de votre voyage, c'est dans le chagrin que vous feriez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. Quel beau discours. Vous, les dont je me méfie, et moi qui suis victime. Moi, c'est un discours qui n'est pas très joli. Ce personnage-là de Jacob devra aussi changer pour que naisse la fraternité. C'est donc Benjamin le petit qui est maintenant le préféré. Et Jacob refuse de le faire partir. Les choses en restent là. La famine est là. Benjamin est là, avec papa. Les 10 sont là. Et la famine est toujours là. Au point qu'à un moment, il faut quand même se décider. Et Jacob dit à ses enfants, « Mais retournez en Égypte, enfin, allez chercher du grain là-bas. » Et il faudra que les frères lui rappellent de nouveau dans un beau discours tout ce qui se passe. Mais non, tu sais bien qu'on ne peut pas descendre si on n'a pas notre petit frère. C'est Judas qui va plaider auprès de son père. Judas, vous vous souvenez, celui qui avait dit « vendons-le ». Eh bien Judas, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Ben Judas, il a perdu deux fils. Comme papa Jacob a perdu Joseph et Siméon maintenant. Alors Judas, il se retrouve beaucoup plus humain maintenant. Et il se porte garant, lui. Si ça ne va pas, ben c'est moi le coupable. Sans qu'il y ait la mort de personne d'autre qui faille mettre en route. Si ça ne va pas, c'est moi le coupable. Et Jacob, chapitre 43. Jacob, il va céder, résigner. Eh bien, si c'est ainsi, prenez-le. Et si on doit mourir, ben on mourra. Chapitre 43, je vais retrouver avec vous les versets 13 et 14. Prenez votre frère, allez, il est à vous, et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde la compassion de cet homme, qu'il laisse revenir avec vous votre frère. Siméon ? Oui, mais nous on sait que c'est Joseph peut-être.
Votre frère est Benjamin, celui-ci. Quant à moi, si je dois perdre mes enfants, je les perdrai. Fatalisme, victime, c'est pas très joli encore. Bon, eh bien donc, deuxième voyage, avec cette fois-ci Benjamin. En résumé, les choses se passent bien. Ils sont bien accueillis. Ils retrouvent Siméon, sans problème, en bonne santé. Joseph peut demander des nouvelles de son papa. Et on lui dit que le papa va bien. Il n'en a pas encore la preuve. Mais on lui dit. Mais il sait quand même bien que ses frères ne sont pas toujours très, très fiables. Mais en fait, chose très chouette, Joseph retrouve son petit frère, Benjamin. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Au point que Joseph va devoir se retirer pour pleurer. À un moment, il va même lui parler, il va dire « Ben, Benjamin ?» ou « Ben, fils ?» C'est ça qui va déclencher pour lui le fait qu'il va se retirer pour pleurer. Sans avoir encore une fois vu, si, cette fois-ci, il a vu. Ses frères ont fait quoi devant lui pour la deuxième fois maintenant, devant lui qui est maître en Égypte? Ses frères se sont prosternés devant lui, comme dans les rêves. C'est formidable ces retrouvailles-là. Enfin, les 12 sont réunis. Et ça va être un banquet, mais un banquet où les choses sont un petit peu chamboulées. Parce que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce banquet? Chapitre 43, que chaque fois je repère et que je dois aller rechercher. 43, je suis maintenant au verset 34. D'abord, Joseph les fait installer, pas tout à fait avec lui, parce qu'un Égyptien ne mange pas avec les Hébreux, mais pas avec les autres Hébreux non plus. Tiens, Joseph ne mange pas avec les Hébreux, avec les Égyptiens. Ça ne pose même pas question aux frères. Bon, c'est pas grave. Ce qui ne pose pas question non plus aux frères, c'est qu'ils sont rangés par ordre de naissance, de l'aîné au plus petit. Non, ça ne fait jamais tilt chez eux. Par contre, il y a encore une chose qu'ils remarquent. Joseph leur fit porter des portions de ce qui était devant lui, verset 34. Les portions de Benjamin faisaient bien 5 fois leur portion à eux tous. Vont-ils être jaloux aussi, encore une fois? C'est pas une tunique de couleur, mais alors là, comme nourriture, ben, il semble pas. Donc, ce serait chouette. Mais maintenant, il reste quand même à savoir s'ils ont vraiment changé, ces frères. Ils ont l'air d'accepter Benjamin, de ne pas trop être jaloux à son égard, mais à leur dernière épreuve, ils retournent, et dans leur sac, de nouveau le grain, de nouveau de l'argent, mais dans le sac de Benjamin, la coupe. Je ne vais pas dire de Joseph, parce qu'ils ne savent pas que c'est Joseph. La coupe de cet Égyptien. Alors, on les ramène, les voilà bien déçus, dépités, tête basse. Cette fois-ci, ils sont foutus. Excusez-moi l'expression. Enfin, c'est fini, ils sont effondrés. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? Alors, réaction de Judas. Nous sommes tes esclaves. Nous tous, on est solidaires. Tiens, solidaires. Nous sommes tes esclaves. Nous acceptons d'être puni, entre guillemets, pour ce qu'on a trouvé. Il ne dit pas que c'est la faute du petit frère, mais on a trouvé la coupe chez le petit frère. Et puis Judas, voyez la suite, « Je t'en prie, laisse-moi rester à la place du garçon, comme ton esclave. Celui qui a vendu son frère comme esclave, voilà que maintenant, lui, il se propose, c'est même plus qu'accepter, il se propose de devenir esclave à la place de son petit frère. Les choses sont résolues. Après ça, Joseph n'a plus qu'à se révéler. Il a compris. Ses frères ont changé. Et ce sont des embrassades. Et il y a un petit texte qui est quand même assez significatif. Au chapitre 45. Après cela, ses frères purent parler avec lui. Enfin, on peut parler. Ça y est. C'est fini. Non, tout n'est pas fini. Parce que les frères repartent vers le papa. Ils vont chercher le papa. Joseph avait dit « Je pourvoirai à tous tes besoins, dites ça à mon père. » Et ils s'en vont, et Joseph a encore une certaine parole à leur égard qui est un peu surprenante, mais qui est très réaliste. « Ne vous querellez pas en chemin. » On a compris, vous n'êtes quand même pas des petits saints, mes amis. Tiens, tiens, tiens. Bon, donc voilà. Suite et fin de l'épisode Joseph. Jacob revient en Égypte avec tout le clan, 70 personnes,
Le pharaon les installe dans la meilleure région. Et puis, notre histoire se termine comme les contes. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, oui, certes. Ce qui posera un certain problème quelques siècles après. Mais heureux, je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a encore une scène finale. Acte 5. La scène finale, c'est 17 ans après. Tiens, tiens, Joseph a vécu 17 ans avec son papa, enfant et adolescent. Ils se sont séparés 20-22 ans. Et puis voilà de nouveau 17 ans avec papa à la fin de sa vie. Mais la vie est une dure épreuve. J'ai une amie qui me disait « on n'en sortira pas vivant ». Et Jacob n'en est pas sorti vivant. Il est mort au bout de 17 ans. Et que se passe-t-il alors? Alors les frères réfléchissent. Oh, où ils sortent leurs réflexions. Tiens, 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 mais notre papa, il s'était enfui de la maison, enfin de la maison de la tante. Pourquoi s'était-il enfui? Parce que son frère avait dit, le frère qu'il avait lésé, son frère avait dit, les jours de deuil de mon père approchent, et après, je tuerai Jacob, mon frère. Oh! Si on attend que papa soit mort pour mettre à exécution des plans de vengeance, peut-être que maintenant que papa Jacob est mort, Joseph aussi peut-être a des instincts qui vont se réveiller. Bien sûr, Joseph leur avait dit « Ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. C'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé ici. » C'est rien ce que vous avez fait, c'est pas grave, on va passer l'éponge, c'est pas grave. Mais est-ce que Joseph vous m'a vraiment pardonné? Et si Joseph devenait notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait? Dernière question, dernier acte, la conscience les travaille, à moins que ce soit le cœur, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il faut s'en sortir. Est-ce qu'il nous a pardonné vraiment? Alors, ben, ils ne sont pas rusés et menteurs pour rien. Ils vont envoyer un ambassadeur chez Joseph. Et cet ambassadeur va dire « Ton père a donné cet ordre avant de mourir ». Le narrateur ne nous a jamais parlé de cet ordre. Alors, joyeuse invention, prudence, mensonge, tact, ruse, tout est possible comme interprétation, mais voilà, on invente un ordre, ou on retrouve un ordre du papa. Et voilà l'ordre. S'il te plaît, pardonne la transgression de tes frères et leur péché. Ah, c'est quand même quelque chose de grave ce qu'ils ont fait. Tiens, ça veut dire que Jacob aurait dit ça et que Jacob aurait su que les frères ont péché. Donc cette histoire sombre de faire croire qu'il a été dévoré par une bête, il n'a pas très convaincu. Bon, c'est pas grave. Pardonne, car ils t'ont fait du mal. Et une deuxième fois, de la part de Jacob, on leur dit, je t'en prie, pardonne maintenant la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. Donc, tout est bien emballé pour que Joseph doive pardonner s'il ne l'avait pas fait. Et Joseph, ben, il l'avait fait, nous le savons, mais il a besoin de le redire. Les frères ont besoin de l'entendre, ce pardon. Tout n'est pas dit. Et voilà la réaction de Joseph. N'ayez pas peur. La peur, c'est ce qui a tramé tout notre récit. Tous avaient des raisons d'avoir peur. Peur de ne pas être aimé, ne pas être aimé autant que les autres. Oui, c'est bien là la racine de toutes nos violences, la peur. Suis-je à la place de Dieu, Dieu? Ah, bien sûr, vous m'avez vu à une place élevée. Bien sûr, mes rêves vous ont fait croire que vous étiez une place en dessous. Mais moi, je me souviens, dans le texte, et celui que nous avons lu, Joseph alla après ses frères. Ce n'est pas seulement le fait qu'il va les chercher, c'est qu'il se met quand même en dessous d'eux. Je suis que le petit frère. Oui, je n'ai pas voulu la première place. Oui, je n'ai pas voulu la première place chez Potiphar non plus. Non, je n'ai pas voulu la première place non plus au service de Pharaon. Je reste serviteur. Je ne suis pas à la place de Dieu. Belle parole, n'est-ce pas? Avec ça, impossible de se venger. Si on ne veut pas se mettre à la place de Dieu. Il continue, le mal que vous comptiez me faire, oh c'est bien gentil,
C'est plus qu'une intention. Ce petit mot-là, il veut dire intention, projet, un plan, un but. Mais non, ce n'était pas leur but, ils l'ont bien réalisé. Dieu comptait, c'est le même mot. Dieu, lui, il avait comme intention, comme but, avec moi, avec les épisodes de ma vie, d'en faire du bien. Je vous ai dit comptait, pensait, ça me fait penser à ce texte de Jérémie 29, Dieu qui dit « j'ai des plans, des projets, des intentions pour vous, l'intention du bien ». C'est un beau mot, cela. Alors voilà, et ça se termine parce que c'est pas que des intentions, la Bible. C'est pas que des intentions, Joseph. Dieu comptait faire du bien, oui, bah, c'est son problème. Non, 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 non. Moi, je vais prendre les choses là où je peux les prendre. Je vais pourvoir à tous vos besoins. Il l'a déjà fait depuis 17 ans, hein, mais enfin, voilà. Alors la Genèse, c'est quoi? C'est la mise en route de la vie, oui. C'est la mise en route d'un peuple, oui. Pas seulement d'une petite famille Caïn Abel, ni même d'un peuple Israël, la mise en route de toute une humanité. Ça se termine par un long récit où tout le monde a dû faire sa place, a dû faire son changement. Jacob a dû changer, a dû cesser d'être le père qui dévore ses enfants tellement il les aime, les deux enfants de Rachel en tout cas. Jacob a dû lâcher du lest, et il l'a fait. Les frères, ils ont dû quitter leur jalousie, leur haine, leur convoitise. Ils ont dû essayer de se mettre à la place de l'autre. Oui. Et Joseph, eh bien Joseph, il a resté à sa place, lui. Il a changé, peut-être, de l'adolescent bouillant qui voulait faire changer les choses. Il est devenu cet homme sage qui contribue à ce que les choses changent grâce à lui. Chacun des protagonistes de notre récit a dû changer, a dû faire un travail sur lui-même. Et à la fin de sa vie, voilà ce que dit Joseph. « Je vais mourir, mais Dieu interviendra en votre faveur. » Oui, certes, Dieu veut intervenir en notre faveur. Il a des projets, des intentions, des buts. Il a envie de choses pour nous. Encore faut-il que nous, on joue le jeu. Que nous soyons de ceux qui disent « Oui, on n'est plus comme Caïn, on n'est plus comme les frères. On suit les indications bibliques. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche, poursuis la paix, ce shalom dont il a été question plusieurs fois dans l'histoire de Joseph. Et puis ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal. Voilà l'histoire de Joseph, voilà l'histoire de la fraternité, voilà l'histoire de ceux qui sont devenus un peuple maintenant. Et c'est puisque c'est un peuple, l'histoire va pouvoir continuer. Le livre de la Genèse s'arrête, on va rentrer dans l'Exode, un peuple qui va être sauvé. » Que Dieu nous aide à être chacun, chacune de ses frères pour les autres, qui prennent en main les bonnes intentions de Dieu et qui puissent dire « Je vais pourvoir à vos besoins. » Amen. Merci à Marie-Jo pour ce beau message sur la fraternité. Nous allons continuer en chantant le cantique 370. Père, unis-nous tous. Levons-nous. Rendre grâce. Père, nous te louons parce que tu as pour nous des projets, des intentions, des plans qui sont des plans de vie, des plans d'amour, de paix. Et puis tu nous connais. Tu sais que parfois dans nos cœurs jaillissent des moments de jalousie, d'envie, de convoitise, de méchancetés diverses,
Et tu sais, nous travailler au point que cela reste sur notre cœur, que cela soit un poids. Et tu veux nous rappeler aujourd'hui encore que ce poids, tu veux nous l'enlever. Que ce poids, tu veux aussi que nous soyons des agents pour que ceux qui sont autour de nous, même s'ils font des choses mauvaises, même si nous avons des raisons d'être victimes, que ces choses mauvaises, nous puissions grâce à toi, grâce au sentiment, à la certitude de ta présence, nous puissions passer au-dessus et rebondir et être de ceux qui font du bien. Aide-nous, Seigneur, à rendre le bien pour le mal. Aide-nous à être des agents de paix. C'est une prière que nous te faisons et finalement c'est une prière que toi tu nous fais. Alors nous te disons merci déjà pour toutes les forces que tu nous donnes pour devenir ces agents de paix. En Jésus. Amen. En guise de bénédiction, avant de nous séparer, je vais vous lire l'exhortation d'apôtre Paul qui est dans Philippiens au chapitre 4, verset 8. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables, que toutes les choses qui sont vénérables, que toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, celle où il y a quelques vertus et quelques louanges, pensez à ces choses. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Allez en paix.